En deuil, Nicolas Sarkozy enterrait ce 9 mars son père Paul Sarkozy entouré de sa famille. Quelques années après avoir perdu sa mère André Mala, figure importante dans sa vie, morte en 2017, Nicolas Sarkozy enterrait ce jeudi son père Paul Sarkozy. Celui-ci est décédé à l'âge de 94 ans le 4 mars dernier. C'est Carla Bruni Sarkozy qui a rendu la nouvelle publique avec une publication sur Instagram, écrivant sous une photo de son beau-père jeune, cet immigré hongrois Népal Sarkozy de Najib Oksa en 1928, où la ressemblance avec l'ancien président de la République est frappante, RIP Paul Sarkozy de Najib Oksa, 5 mai 1928 – 4 mars 2023. Repose en paix. Alors que la complicité et proximité entre Nicolas Sarkozy et sa mère étaient bien connues, il n'était pas de même entre Nicolas Sarkozy et son père. Artiste peintre et publicitaire de métier, Paul Sarkozy avait été marié 4 fois et avait eu 5 enfants. Nicolas lui en voulait terriblement, celui-ci avait quitté le foyer familial en 1959 alors que les enfants étaient tous en bas âge, provoquant le divorce du couple. Ami de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux racontait à ce sujet, Nicolas lui en voulait terriblement d'avoir abandonné sa mère. Moi qui venais d'une famille bourgeoise classique, j'écarquillais les yeux quand il me disait qu'il allait voir son père pour le contraindre de payer à sa mère la pension alimentaire. Le président de la République en avait aussi voulu à son père quand celui-ci avait révélé la grossesse de Carla Bruni alors que celle-ci devait encore rester secrète, je me réjouis de l'arrivée de mon petit enfant. Je suis sûr que ce sera une fille et qu'elle sera aussi belle que Carla, avait-il déclaré au journal allemand Bild. En nombre pour rendre hommage à Paul Sarkozy malgré ses différends, toute la famille était présente pour lui rendre hommage à ses funérailles qui ont lieu ce 9 mars en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine. Nicolas Sarkozy s'est présenté avec beaucoup de retenue accompagné de sa femme Carla Bruni et de leur fille Julia bien sûr. Étaient aussi présents les fils aînés de l'ancien président Pierre et Jean, celui-ci accompagné de ses 2 enfants Solal et Lola, 12 et 10 ans, issus de son union avec Jessica Sebaoun. Ses frères Guillaume et François ainsi que son demi-frère Olivier sont également apparus très émus à la cérémonie. Des personnalités étaient également présentes pour soutenir la famille Sarkozy à l'image du couple Isabelle et Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret, de l'ancien ministre de l'Intérieur du président, Brice Hortefeux, Nadine Morano mais aussi Didier Barbelivien et sa compagne Laure Bernardini étaient aussi là pour accompagner leur ami. À lire aussi repose en paix, Nicolas Sarkozy en deuil, Carla Bruni révèle que le père de l'ancien président est mort.